C'est des Rotomax 150. Ah ouais. Donc
ça fait 15 chevaux chacun. Et voilà, c'est vrai, parce qu'il y a la masse quand même. Ouais. Ah, oui. Avant, il y avait des turbos propres, mais il y a eu un gros crash en Normandie. Et le gars se présentait, si vous voulez, moi je l'ai récupéré, on l'a reconstruit. Il se présentait, il était trop long. Et le speaker, il dit, t'es trop long, on remet les gaz. Il a remis les gaz, il y a une turbine, il y avait plus de propos dedans. Et il est parti au bout du parc de modélistes, enfin, le parking des voitures, et il s'est craché derrière. Tout ça avait été détruit. Alors il l'avait refait, mais genre un type caisse à savon. Et nous, quand on l'a récupéré, on a fait contact avec la base de l'île Garon qui a fait les RLR. Et quand ils ont. Aéronautique avec des visites de l'aéromodélisme du drone. C'est également le passage parfois du brevet d'initiation aéronautique. Et puis ce sont des activités sportives, des activités de cohésion. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des scouts de l'air. C'était il y a plus de 50 ans maintenant. Et bien c'est en quelque sorte les scouts de l'air que les escadrilles Air Jeunesse font renaître avec ce dispositif. Le point de contact, c'est toujours le même, les 41 bureaux R pour le football et ici. Et bien, on a la chance de voir un qui est situé juste au bout de la plateforme avec il y a le capitaine Bartou, il y a également la major Clem qui sont là-bas et qui vous appellent, donc ils posent sur Robinson, là peu à peu dans la bande de l'air. François, si tu veux, pour parler un petit peu des associations en général, et la nôtre n'échappe pas à la règle. La Marine nationale, on les appelle les parrains du ciel. Le pilote vous salue, vous pouvez également. Vous pouvez vous casser, vous pouvez vous mettre en offensive. H90 qui est bien sûr un hélicoptère de nouvelle génération, une machine polyvalente, une machine pour réaliser de nombreuses missions dans beaucoup de situations. Et en particulier cet après-midi, nous aurons un scénario qui sera mis en place avec un hélitreuillage et vous verrez comment, et bien dans des situations extrêmes, que ce soit lorsqu'un bateau chavire ou que la situation est vraiment, oui, extrême, et bien ces hommes et ces femmes interviennent, et ce, par des conditions météorologiques qui sont parfois eux aussi extrêmes. Alors, le NH90, c'est un petit monstre, on va dire, quand même. Il faut savoir pour une petite histoire qu'il a une distance de moteurs, il a deux moteurs, ce sont ceux mais encore plus performant, et c'est la même famille que ceux du AH-64, le célèbre Apache, au niveau de combat de l'armée américaine. Et donc, pour vous dire que c'est un truc qui envoie, hein, c'est vraiment très 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 performant, très puissant. Cet après-midi, mais Fabrice, il est
instructeur à l'aéroclub d'Albi. Et cet après-midi, il nous présentera en vol cet avion avec des performances et surtout cet avion qui est silencieux. Le plaisir d'être en l'air, de voler, de se déplacer dans les trois dimensions. Et donc avec un petit moteur de 90 chevaux qui lui permet d'évoluer tout à fait correctement. Des avions école, ce DR400, ce... Alors le journée pour aussi pour la petite histoire, vous voyez, c'est un avion qui vole doucement, il ne fait pas de bruit, très peu de bruit, qui était là tout à l'heure. Il était là parmi nous, là je discutais avec. Oui, je pense qu'il fait un passage lent. Voilà, il fait un petit coucou. Ah, il est plein volé là. Vous voyez ses capacités. On ramène quand même un chiffre d'affaires tout à fait sympathique. Et ça apporte à notre crédibilité, ça apporte à la crédibilité de l'école. Et encore une fois, je vous remercie. Remercie beaucoup, beaucoup d'être aussi nombreux à être présents. Franchement, c'est un grand cadeau que vous faites. Là-bas, sur une direction au cap 10, c'est-à-dire 100 degrés. On a la piste pile dans l'axe, là, la manœuvre. Eh bien, on conserve l'alignement, on prend notre taux de descente qui va bien et on arrive à se poser. Voilà. Donc, Marc Giraudoux qui vient de ramener. Ah, incroyable, il l'a ramené entier. Des lettres, Alain, tu l'as rappelé, pour parler de l'immatriculation avec l'utilisation également d'un alphabet un petit peu particulier qui était l'alphabet militaire, qui est aujourd'hui aussi l'alphabet OACI, c'est-à-dire de l'Organisation Internationale en matière d'aéronautique. Et donc c'est un alphabet qui est commun à tous les pilotes dans le monde entier quand on est à la radio. Et bien on utilise ces lettres pour s'identifier et puis également pour annoncer bien qui on est et ensuite annoncer c'est le DR400 des avions très populaires ce soir et bien voilà pour aller tout simplement faire un petit tour autour de ça. Et regardez bien, vous ne rêvez pas, c'est une magnifique jeune femme qui est aux commandes. Elle est instructrice, elle a des qualifications longues comme un jour sans pain. C'est Émilie Breton. J'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus tard. Je peux vous dire que, point de vue instructionnier, elle reste toujours dans l'axe pour une raison d'aérodynamique. Et puis on va retrouver également des avions à aile basse et des avions à aile haute. À aile basse, c'est le DR400. Et puis l'avion à aile haute que vous avez vu aujourd'hui, eh bien c'est ce Cessna 172. Généralement, avec des ailes légèrement relevées comme sur le DR400, on a aussi une très bonne stabilité. Mais en tout cas, en termes de construction aéronautique, c'est les définitions que l'on peut donner dans les cahiers des charges. L'autorotation en vrille, et ce qui fait que c'est un avion idéal pour l'école de pilotage.
Et vous remarquez que le journal aussi, vous voyez cette caractéristique du double dièdre. Vous avez là, à partir de l'emplanture, à partir du poste de pilotage, vous avez l'aile qui part quasiment à plat. Et après, en bout d'aile, hop, on a un petit relevé. On a une partie qui est cassée. C'est ce qu'on appelle un double dièdre. Vous l'avez vu tout à l'heure, il était là à l'accueil, il fut bonjour, David Segalini. Voilà, 13h58, 14h début du spectacle. Et ce sont nos aéromodélistes qui vont entrer dans la danse. Alors normalement j'ai un commentateur qui doit arriver, parce qu'hormis les généralités, je ne suis pas un grand spécialiste des aéromodèles. Alors qui dit un planeur, vu qu'il n'y a pas de moteur, dit un remorqueur. Donc on a un petit avion devant, une petite corde, et tout ça c'est radiocommandé, tout ça c'est commandé du sol. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Ouais, Jean-François, c'est ce que je disais justement. C'est que moi-même, je suis. Ah, je suis à l'aise, je ne suis pas un pilote émérite, hein. C'est pas la question. Mais je suis assez à l'aise lorsque je suis à bord et aux commandes. Mais je deviens carrément psychomoteur là, quand est-ce que je prends ces appareils. Hein. Alors, comme je disais, quand ça s'en va, bon, ma foi, gauche, droite, c'est bon. Et quand ça revient, c'est plus du tout pareil. C'est beaucoup plus compliqué et nous allons assister dans quelques instants au décollage de ce planeur avec son remorqueur. Il est vrai qu'en France, on a une tradition de l'aéromodélisme qui remonte à assez longtemps parce que il y a un certain nombre de records. Plus d'une institution est présente ici sur la plateforme avec bien sûr le Rafale sur le display, le VA. Et je pense en particulier aussi à tous les drones qui sont déployés en opération et qui reprennent finalement... Ah, normalement, oui, il n'y a pas de problème. Et qui reprennent principalement le principe de fonctionnement de ces aéromodèles. Mesdames, le pilote du planeur va vous expliquer en même temps qu'il vole les manœuvres qu'il va effectuer. Mesdames et messieurs, les petits éléphants, actuellement, pendant qu'on est, vous avez vu qu'on est, on est en vol, j'ai largué donc là j'attends que le remorqueur ait largué son... Ok, donc là je suis toujours en vent arrière, je vais m'aligner piste et je vais être 100% de poussée du réacteur. Donc ce que vous voyez évoluer là, c'est un planeur, un Salto Jet. Alors le Salto existe en grandeur, mais là il y a un réacteur dessus. Donc 6 mètres d'envergure, 21 kg de poids et la turbine là en ce moment en plein pot, réacteur est poussé 10 kg. Mais je n'ai pas remorqueur, donc passage bas du remorqueur. Moi je m'aligne derrière et là j'affiche 100% de puissance. Je prends la vitesse et on va partir. Je me réaligne vent arrière. Allez, je réaligne et on va partir sur en planeur classique. Donc maintenant pour me freiner, comme sur les planeurs grandeur, là je vais le remorqueur de signal qui veut atterrir. Ouais, le dernier passage du remorqueur et ensuite je vais me poser. Par contre là j'aurai la priorité parce que moi si ça... Je vais venir m'aligner. Piste. Réduit.
Pour la suite du programme, là, un aéromodéliste, vous allez voir le Corsair qui va voler en solo pour faire une démo. Dans la deuxième partie de l'après-midi, vous verrez ce Corsair voler avec son frère sur une formation en patrouille. En dessous des 25 kilos. S'il passait au-dessus des 25 kilos, donc nous serions en catégorie B. Il y a plusieurs catégories dans l'aéromodélisme. Il y a les catégories A1, donc de 0 à 7,5 kg. Après les A2, de 7,5 kg à 25 kg. Et ensuite, plus de 25 kg jusqu'à 150 kg, c'est ce qu'on appelle les catégories B. Donc à catégorie B, donc au-dessus de 25 kg, mais aussi au-dessus de 250 cm3. Donc là, il s'est fait avoir comme hier. Généralement, quand on met la puissance sur ces moteurs-là, ça embarque comme les vrais à gauche. Donc là, il l'a bien contrôlé à la dérive. Et c'est Seb qui nous vient du côté de Béziers, là où il y a un peu plus de soleil qu'ici, qui fait moins froid. Je rigole. Alors ces appareils, grand coureur, on va dire, grande gueule et grand buveur, mais c'était un super. Aujourd'hui, température idéale, hein, pas trop chaud, pas trop froid. Donc le moteur donne tout ce qu'il peut. Alors vous avez vu le train, ça peut être train pneumatique. Donc on a une petite bonbonne d'air dedans avec une électro. Il dessine en 1968 son premier biplan, le P60. Alors c'est un monoplace de sport à conduite torpedo, c'est-à-dire sans verrière. Là, Gérard a adapté une petite verrière, c'est quand même un petit peu plus confortable, surtout quand il fait froid, hein, parce qu'il voit l'été comme hiver, bien sûr. Et autrement, c'est ce qu'on appelle une conduite torpedo. Alors il est bien sûr... C'est le premier exemplaire français, totalement français, qui a été construit en France, à partir des plans. Il décollera le 15 septembre 1992. Donc c'est un avion qui est... Alors voyez, le mousquetaire de Jean-Philippe Girard décolle et a son bon... Le pilote qui prend la décision de la piste qu'il choisit avec au décollage cet avion. Un joli biplan de voltige. Voir de très près. C'est vraiment un inversé, mais disons que le moteur est toujours lubrifié lorsqu'il est en vol inversé. Voilà, Gérard en cabinet, donc il va prendre son altitude de travail, on va dire. Alors, je vois également le... L'histoire se souviendra que c'est... En septembre 1913, c'était à bord d'un... Ce statut de champion du monde. Bob Normandin, Audrey Normandin, et je crois aussi Alice Schumacher qui arrive sur la voltige internationale. Elle fait de très très belles présentations. Donc elles sont là les féminines, il n'y a pas de souci. On peut compter sur elle. Accélérer le taux de chute pour venir se poser ici à Sarladome sur la piste 28. Des démonstrations qui demandent qui est au sol et qui va indiquer par radio au pilote que eh bien voilà, il est peut-être pas bien dans le cadre ou alors il est sorti pas au bon moment ou un petit peu trop tôt. Et notamment au bout d'elle, on le verra sur le cap 10, il y a un triangle qui permet au pilote de connaître précisément l'inclinaison de son avion, l'inclinaison qui va être également mesurée au sol par le juge. Le pilote, dans le cas de Gérard Caminat, c'est un petit peu particulier parce que ce monsieur est un autodidacte. Alors bien sûr, Il a de bouteilles quand même, hein, il a des heures de vol derrière lui. Mais c'est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser lui-même les erreurs. Alors je discute avec lui, des fois il revient, il dit « Ah tu vois, quand j'ai fait ça, là je suis parti un petit peu trop en travers, là, nanana. » Et il se corrige lui-même, et ce qui fait qu'avec son petit avion, là, pas extrêmement motorisé, il fait des choses extraordinaires. Franchement, c'est super sympa. Gérard Caminat, vous pouvez l'applaudir, il vous voit, mesdames et messieurs.
Entre nous, vous pouvez le voir, il n'y a pas un petit coup de chiffon qui manque nulle part. C'est parfait, parfait, parfait. Depuis qu'il a construit cet appareil, franchement, c'est très, très, très intéressant. Alors, je n'ai pas de nouvelles de nos amis de Chute Libre. Théoriquement, ils devraient faire vertical terrain. On va pas croire, hein. Ils n'ont pas fait ça le premier jour. Hein. Voilà, c'est donc l'équipe de Chute Libre d'Ordogne là, qui est là. Ouais, ils sont doués avec leurs armes de procédés bien précises. Donc ils vont vous faire une mini-formation d'un quart d'heure, 20 minutes. On montre que le CAPIS, alors le CAPIS c'est l'avion école de voltige par définition fabriqué par... Et aussi entraîné à Arcachon, et aujourd'hui elle va vous présenter le CAPIS de l'aéroclub d'Arcachon. Voilà, donc elle a commencé la compétition au niveau espoir l'an passé, et également sa première démo. Là aujourd'hui c'est son deuxième spectacle aérien. Deuxième spectacle aérien avec des figures. Premier cycle, deuxième cycle. Qu'est-ce qu'on y apprend durant cette formation? Donc le premier cycle, ça va être que toutes les figures, la boucle, le tonneau, les verticales. Là, vous avez un rétablissement tombé qui va être suivi d'une avalanche. C'est une boucle avec un déclenché positif en haut de la boucle. Donc vous allez voir, en haut, elle va déclencher la boucle. J'avais un petit morceau de musique à passer pour Julie. Moi j'ai vu qu'il y avait de si beaux commentaires. Je vais en passer, je vais l'accompagner un petit peu en musique quand même, vous l'avez demandé. Une jolie barrique juste devant vous. Gentiment. Combien d'heures d'entraînement pour un programme tel que celui-ci? Alors, l'heure d'entraînement, on va dire, c'est au fur et à mesure, comment on sent le corps pour un meeting. On vole plus bas que pendant une compétition classique. Pour bien présenter aux gens. Évidemment, pour les filles, elle est en train de revenir sur l'axe. Donc là, elle va revenir vers nous par la gauche pour vous montrer le dos de l'avion, moins 4,5 en négatif. Voilà. Et un joli pas. Sur l'autre, cette année au mois de mai. Voilà. Et donc elle s'est qualifiée pour le prochain niveau, le niveau promotion, pour l'année prochaine. L'équipe en 2016 et totalise plus de 3500 heures de vol. Mais une voilure tournante. Mesdames, messieurs, au décollage, le NH90 Cayman Marine. Vous pouvez lever les mains en l'air et saluer l'équipage qui va débuter sa démonstration. Cet après-midi, l'aviation de collection, et là vous allez avoir dans quelques instants la démonstration de ce qu'est l'aviation utile. Cet hélicoptère est un NH90 Cayman, c'est donc un hélicoptère de nouvelle génération. Il appartient à la 31e flottille qui est basée à Yale, de vaisseau Steve, et il y a des de cette machine qui vont être mises en avant. Par la dépose, par corps de lisse, de personnel,
c'est quelque chose qui se fait normalement sur les bateaux, par exemple lorsqu'il faut déposer du matériel pour déposer également des hommes très rapidement sur les frégates. Ils vont donc s'approcher, revenir ici sur l'aérodrome de Sarlat et venir déposer des fusils commando, comme ils feraient par exemple sur un ferry à l'occasion de... L'occasion de rappeler que cet hélicoptère appartient... Pour le petit détail technique, le NH90 est équipé de deux turbines, des RTM comme Rolls-Royce Turbo Mecha. Des 322, c'est celle qui équipait l'hélico, le H-64 Apache de Westland, l'hélico d'attaque américain. Et ces deux machines, ces deux moteurs développent 2000. La machine est de retour sur axe. Le pilote tire légèrement le manche pour venir ralentir sa voilure tournante et on vient en même temps perdre un petit peu d'altitude tandis qu'on s'apprête à débarquer les fusiliers commando. Sur ce qui se passe en dessous. Il fait donc confiance à l'homme qui va lui donner des instructions, c'est le maître grec. C'est lui qui est en train de guider le pilote pour lui annoncer les manœuvres à réaliser. Les fusiliers commando vont réaliser leur mission de sécurisation du ferry. Imaginons. Et la machine va ensuite partir en éloignement pour venir récupérer ces hommes qui, une fois leur mission achevée, eh bien, rentreront sur la base de hier. C'est un hélicoptère qui est en condition opérationnelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au coup de sifflet, si une mission se déclenche, cette machine est amenée à repartir immédiatement en mission. Et ça, c'est la spécificité de ces machines.
Je vois également, ça c'est aussi un des clous du spectacle, je vois le Pratt & Whitney du Stearman qui se prépare. Daniel, vous pouvez la saluer, allez. Vous voyez les devants, vous allez voir, elle se promène. Alors, je sais qu'il faut éviter les mauvaises blagues, mais ça, je vais vous dire une chose, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est son mari, Emiliano, qui est aux commandes. Alors, c'est place arrière, sur le Stearman. Son mari dit, je cherchais un moyen de m'en débarrasser, et il n'y a rien à faire, et s'accroche sans arrêt. Et vous allez voir que c'est presque vrai. Et ce qui va être drôle dans le jeu, et regardez sa capacité, sa qualité de vol. Parce qu'il y a quand même du vent. Hein, pour. Alors on entend à peine le moteur. Et c'est un pilote d'A380 qui utilise ce drôle dans le jeu.
Thank you.
Comme je vous disais à la présentation, ce sont les deux mêmes corsaires, 3,20 m. Ce sont des avions équipés de moteurs 250 cm3, moteurs essence, et c'est des 5 cylindres étoiles. Donc, le premier qui va partir, c'est Roger avec le corsaire bleu marine, Papy Bolington.
Écoutez le bruit des moteurs, on croirait vraiment des vrais corsaires. Allez Roger, au décollage. Non, c'est pas Roger, c'est Sébastien, désolé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Lieutenant Greg Papy Boyington était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. Voilà, ce coup-ci, c'est Roger qui est au décollage. Ces deux corsaires, vu que ça les mêmes, sont des corsaires qui... Les coups, et c'est tout. Donc passage bas, là ils ont sorti les volets. Donc sur chaque demi-aile, trois volets qui sortent. Donc ça vous fait six volets versus tentateur sur... Il va nous faire un atterrissage sur une grande piste et pas comme sur un porte-avions. Oh, aïe. Hop, premier les gaz. On va faire un tour, là, non? Eh non, il va le faire. C'est bon. Posé, pas cassé. Vous voyez, peut-être au niveau du public, vous ne le sentez pas, mais nous, sur piste, on a des turbulences. Et vous avez même vu le Canadair, hein, il se dandinait. Dis donc. Bon, enfin, il s'en est bien sorti, là. Ouais, on a bien vu que tu t'es fait ramasser, oui. Et donc, Seb, toujours avec l'autre corsaire qui nous fait un passage bas. Et vous voyez que l'avion, il part d'une aile sur une autre et oui, on se fait bousculer un peu au niveau de la piste là. Nos modèles, c'est pas les grandeurs, hein, donc on fait ce qu'on peut. Et la difficulté de voler comme ça, c'est qu'à chaque coup, on perd un axe. Là, on voit l'altitude, mais l'éloignement, on a la vitesse, le nombre de G. Et donc, ça nous aide aussi pour évoluer. Quoi. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Très rapidement. Et voilà, donc là il fait son approche, tout sorti. En travers, il est à 30 degrés là en gros. Il remet un peu de gaz sur les Warbirds, on est obligé de garder du moteur. Et voilà, nickel chrome. Un petit bisou à la piste. Et c'est tout posé, c'est pas cassé. Ah, comme je l'ai expliqué ce matin, Louis Vanel avec ses amis de l'EVA. Il joue au chat, la souris, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Bon, ben allez, cette année ça va être toi. Extraordinairement réactive, puisque les gouvernes, quand vous êtes proche d'un Extra 330, et bien par rapport à la taille de la machine, elles sont énormes. Négatif, ce qui est le plus difficile, bien sûr. Un peu de positif lors de cette ressource, c'est effectivement sur le dos, principalement des jets négatifs. Avec, rappelons-le, aucune combinaison anti-G à bord de ces avions, c'est la spécificité, c'est-à-dire que contrairement les efforts... La préparation est aussi importante que l'avion dans ce genre de discipline, et donc... Il faut savoir que toutes les figures ont été répétées avec quelque chose que l'on appelle la musique. Vous avez probablement déjà vu les pilotes de la patrouille de France répéter les gestes, telle une danse. Quand il y a des redescentes sur l'arrière de l'avion et qu'on reprend sur du négatif, ils s'entraînent tout le temps, ils ont une condition physique qui est proche de la perfection. D'ailleurs, c'est nécessaire. Comme j'ai déjà dit, rien que pour vos yeux, vous verrez que l'Extra 330 permet de faire des figures qui jusqu'à présent n'étaient quasiment pas réalisables. Voilà, quasiment. Le renversement est parfait. Et oh, ça je connais pas. Vous mettez le manche à droite ou à gauche pendant une seconde et vous avez fait un tour complet sur vous-même. Les vitesses d'évolution. Eh bien, on est aux alentours des 930 km/h en vitesse maximale. Thank you.
atterrissage, Louis Vanel et son Extra 330 avec une arrivée en glissade. Voilà, on vient tout doucement peindre l'avion sur la piste. Et dans quelques instants, mesdames, messieurs, probablement le moment que vous attendez le plus de cette journée, puisque l'armée de l'air et de les oreilles de nos plus jeunes spectateurs, parce que vous allez voir, c'est un avion surpuissant qui fait énormément de bruit. N'hésitez pas à saluer Louis Vanel, notre champion de France 2023, sur son Extra. Vole bien, nous disait Marcel Dassault. Voilà un diston qui s'applique parfaitement à l'avion que vous allez voir évoluer. Et dans quelques minutes, vous allez assister à la fin de cette journée pour répondre à toutes vos questions. Ils sont basés à Saint-Dizier. Et ils ont réalisé donc pendant ce week-end une démonstration sur Palavas et ils sont aujourd'hui à Sarlat. Voilà, dans quelques instants, il arrivera de votre gauche. Le Rafale, c'est un avion qui est surpuissant, un appareil équipé de... D'abord un avion de combat, le Rafale. C'est-à-dire que les performances artistiques de cet avion n'occupent en aucun cas les capacités opérationnelles. Fer de lance de l'aviation de combat française, cet aéronef Omnirol est avant tout dédié aux missions de défense aérienne, de reconnaissance, mais également de dissuasion aérienne. Mesdames, messieurs, le Rafale sur le display. Une disponibilité proche de 95%, le Rafale opère sur tout le panel de l'aviation moderne. Thank you.
professeurs de la Rémoissage. Beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, et je vous présente mes excuses pour les attentes, pour accéder au site, pour les longues queues, pour avoir Le parachute qui a été utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et qui n'était que des hémisphères de toile. Regardez-les évoluer. Les parachutes modernes, ce sont de véritables ailes qu'il est possible de piloter. D'abord parce que vous avez des suspentes de part et d'autre, un petit peu comme un parapente, et lorsque vous tirez à droite, vous virez à droite, et lorsque vous tirez à gauche, eh bien, vous virez à gauche. Regardez-les tournoyer. Un premier parachutiste va venir se poser devant vous. Je vous demanderai de l'applaudir au moment du poser. Alors, c'est du distendu, c'est vraiment poser. Rendez-vous tranquille. Rendez-vous compte, on passe d'un moment. Voilà, le deuxième qui arrive, tout en douceur aussi. Chute du sac. Puisque le parachute est situé dans un sac à dos. Et ensuite, eh bien, c'est ces parachutistes qui vont venir replier leur voile, tout simplement. Et après, on peut repartir en vol. Le troisième arrive. Observez la vitesse. On passe de vitesse de l'ordre de 250 km/h en chute libre à seulement une dizaine de km/h au sol. Les applaudissements sont effectivement de mise, ils sont vraiment. Et très rapidement, et ce, en toute discrétion. Ah ouais ? Je vois, c'est le numéro 2. Et ce sont de véritables commandos opérationnels, puisque la charge utile peut même emporter jusqu'en deux, et de l'ordre des 100 kg. L'air et d'espace est accessible à partir d'un niveau de fin de classe de 3e. Et donc, l'avion qui arrive, c'est un Cessna 207, donc il y a le pilote qui est spécialisé dans les opérations de largage, donc qui totalise 1000 heures de vol. Et c'est un avion qui a été préparé pour le largage parachutiste, donc on a enlevé la porte, et qui est un peu surmotorisé pour pouvoir monter assez rapidement en altitude. Je l'ai dit ce matin, je suppose qu'on te trouve un peu facilement, je suis type comme vente sur internet, il n'y a pas de soucis. Ah, aucun problème, hein. Donc les gens qui veulent sauter peuvent même s'avancer directement. Qui s'appelle Jimmy. Et aujourd'hui, cet écureuil est aux couleurs de la gendarmerie, et donc c'est une mission de mise en condition d'une victime qui va être simulée sous vos yeux. On vient se poser aux abords de la victime, en dehors du souffle hélicoïdal, puisque lorsque vous êtes tout proche de cette machine, et bien ça souffle énormément. Latérale est ouverte et Jimmy, qui est à bord et qui est le secouriste, se prépare. Ses gestes sont précis, répétés. Sa mission, il la connaît par cœur. Il est harnaché, il est hélitoyé au plus proche de la victime. Le chef Olivier. C'est l'homme au niveau de la porte. Il guide par les gestes le pilote qui ne voit absolument rien.
un secouriste va venir. L'écureuil revient sur la zone. La victime a été sécurisée et donc le treuillage va pouvoir s'effectuer de manière nominale. C'est le chef Olivier qui va donner les autorisations aux pilotes pour pouvoir les nettoyer. En direction de l'hôpital. Gendarmerie de haute montagne du Mont d'Or 63 avec un équipage composé de 3 personnes et je pense en particulier à toutes les catastrophes naturelles, peut-être qu'un jour eh bien, c'est un écureuil qui viendra vous sauver dans cette situation. Vous saluez, vous pouvez lever les bras et saluer tout l'équipage pour la qualité et le professionnalisme de son travail. Il y fera entre autres le dernier vol du dernier Mirage 3 français en novembre 2005, 49 ans jour pour jour, après le premier le RV4. Qui était toujours biplace, soit en tandem, c'est-à-dire avec les sièges l'un derrière l'autre, ou alors côte à côte. Et cette version-là, eh bien, c'est une version
en tandem biplace. C'est une machine qui, à première vue, peut apparaître comme étant un avion de voltige, mais pas du tout. C'est plutôt un appareil qu'on classifierait d'avion de sport. Et d'ailleurs, dans son comportement, d'anxieusement agréable au pilotage, et qui... SC, qui a évolué? Alors, mon capitaine, quel est le ressenti aux commandes de cet avion? Mon coéquipier, pardon, Bryce, va bientôt s'élancer à bord du même avion pour effectuer eh bien, sa présentation freestyle d'ici quelques minutes. Et pour répondre à votre question, c'est un mélange de beaucoup de choses. Hein. Il y a de la concentration, bien sûr, puisque... On en parlait tout à l'heure, un taux de roulis de 420 degrés secondes. La difficulté, c'est effectivement de s'arrêter au bon moment, donc, puisque ça tourne très vite. Et bien, il s'agit d'anticiper. C'est ça qui est important de préciser, c'est que l'EVA, c'est surtout une équipe qui va aller décrocher les championnats du monde. J'ai ce titre l'an dernier en Pologne, à Leszno, ainsi que la médaille d'or par équipe. Alors il y a un drôle de tableau qui se prépare au niveau de voltige aérienne. Quand je dis on, donc Bryce et moi-même, et puis Louis Vanel qui est à bord de son avion jaune que vous avez vu évoluer tout à l'heure, et qui est un grand champion également, puisqu'il a été champion du à bord d'un XA330, on n'a pas de filet, c'est vraiment le corps qui doit encaisser ses jets. Comment ça se passe la préparation physique? Bon, il y a une base de bonnes conditions. Un pilote de l'armée vient à l'espace, il est entré en 2005 à l'institution. Il a été introduit dans le chasse en 2008. Thank you.
Tel que être arpètre, c'est quoi être arpètre? J'ai un arpètre qui est venu me voir par le temple pour essayer de me taquiner. Les arpètres ont cette sensibilité de dire que c'est un corps particulier et ils ont raison. Le capitaine Geoffrey Denis qui effectuait la dernière démonstration de la journée à l'instant et vient de nous rejoindre. Il applaudit très fort. Merci beaucoup.